notre serment est de ne jamais échouer. La 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 la. Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectives, très chers frères et sœurs, avant toute chose, nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant de nous avoir gratifié de ce sujet vital qui nous permet de nous réunir en ce lieu saint, la cathédrale Notre-Dame. Afin de communier avec nos frères d'âme en cette journée bien bénie. À l'heure actuelle, la situation particulière de l'Est du pays exige un élan de solidarité. C'est pourquoi nous invitons à vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de nos compatriotes de l'Est décédés. Et les hommes de toutes compris. Cette merveilleuse journée, aux résonances théoriques et chargée de fêtes d'âme, de souvenirs tenaces, d'un passé glorieux de par les événements mémorables, il faut signaler que de grands hommes ont marqué au cours de l'histoire commune du Congo. Une empreinte indélébile, sa mémoire collective durant plusieurs décennies. Nous citons en Béni le soldat congolais, ce patriote hors-pair qui verse son sang pour la patrie, la belle vie, la nuit des temps, jusqu'aujourd'hui, lors des autres. Un pur produit de la société élitiste qui combat sous les drapeaux de l'héroïque République démocratique du Congo. C'est ainsi que la nation entière porte un regard admiratif sur la grande guerre et veillant à baisser grâce à des espoirs qui jalonnent le parcours de la République démocratique. Dans la foulée, en second lieu, en vous ouvrant le fond de notre cœur, nous pensons également aux soldats du peuple, c'est le roi miséricordien, disciple du tout premier ministre, Baptiste Emery Toumba, troisième président de la République, assassiné le 16 janvier 2001 dans l'exercice de ses fonctions. Après sa disparition tragique, il nous a légué un trésor idéologique important. Jamais trahir le Congo. Aidez-vous en charge. C'est Maxime Lévin qui habite notre foi à l'avenir avec le Congo et guise une belle patriotique qui incite le peuple congolais à lutter contre la division. L'organisation des manières que le Père puisse s'enraciner dans le désordre du Congo. Elle s'arrache, prix de sacrifice, cette paix que nous chérissons en longueur de journée. Nourrissons notre esprit de patriotes. Une lecture poignante de l'histoire nous renseigne que, après des fortunes diverses qu'elle a vues menées par les partisans nationalistes depuis la réduction du pouvoir deux mois après l'accession du pays à l'indépendance, c'est cette lutte-là qui aboutira le 17 mai 1997.
C'est en effet à partir de cette date que le peuple congolais retrouve le nom prestigieux de son pays, la République démocratique du Congo. Son livre est pour son drapeau de l'indépendance, son majestueux cœur retrouva son nom peuple du monde et une monnaie forte de femmes congolaises. Viendra compléter la liste des attributs historiques et son identité, sans oublier l'élection pour la paix de Congo du monument du héros national Patrice Emery Lumumba, incarnation de la lutte du peuple congolais pour son indépendance et sa souveraineté. Quant au peuple congolais, longtemps considéré comme un être taillable et corvéable, sera progressivement responsabilisé à travers une nouvelle organisation sociale, puis dès le temps de jouer effectivement son rôle dans la mandat à travers une conception originale des réseaux fondamentaux, par le concept d'autoprise en charge. De manière plus conséquente, le multiple péril qui ne cesse de se manifester cruellement. Ça faisait quand même 37 ans que notre chef disait attendait ce moment. Vous vous rendez compte, c'est vraiment un moment d'exaltation. Alors, vraiment, j'ai gardé un très bon souvenir de cette époque-là, de ce jour-là du 17 mai. Et qui a répondu à ceux qui pensent que l'entrée de l'AFDL a été une porte ouverte de toutes ces rébellions que nous décrions aujourd'hui dans l'Est, dans la partie Est de la RDC? Bon, je pense que par mimétisme, il y a certaines personnes qui ont voulu faire comme nous. Malheureusement, ça a tourné à ce que vous connaissez, un pogrom. Vous vous souviendrez de Makopola, Kasika, Mwenga, etc. Ce n'était pas le cas avec nous. Je crois qu'ils ont confondu une lutte noble que nous avons mené, c'est-à-dire la poursuite, la suite de la lutte menée par Lumumba. Et après sa disparition, il y avait les Gizenga, Beigné, Pierre Mulele, etc., qui ont continué cette lutte-là. Et puis, par la suite, c'est Musée qui a pris, qui était devenu le porte-flambeau jusqu'au 17 mai 1990. Donc, cette lutte n'est pas une aventure improvisé. C'est la continuité d'une lutte noble qui plonge ses racines même jusque la lutte de Simon Kimbangu quand il défiait l'autorité coloniale. Donc c'est de cette lutte-là qu'il s'agit, qui a abouti le 17 mai. C'est la lutte pour la liberté et la souveraineté. Alors quelle était la pensée de M. Laurent Désiré Kabila pour la RDC pour les Congolais? Bien, vous l'avez vu à l'œuvre, vous pouvez le juger par les actes qu'il a posés. Vous savez, quand on fait une révolution, il y a un aspect violent qui apparaît. Prenez toutes les révolutions, vous verrez que ça s'illustre par des pelotons d'exécution. Prenez Cuba, prenez les États-Unis, même aux États-Unis à l'époque, mais prenez la France, n'est-ce pas? On avait tranché la tête du roi et de sa femme. Prenez la Russie, c'est toute la famille royale qui avait été éliminée. Prenez l'Iran, beaucoup d'autres pays qui ont fait des révolutions. Ça s'est toujours illustré par des violences sanglantes. Mais ici, prévoyant justement, parce que la population avait vomi le pouvoir qui était en place, et il ne demandait qu'une occasion pour se venger. Alors imaginez qu'on ait laissé la population agir. Vous voyez à peu près ce qui allait arriver. Alors Moussa a proclamé
la révolution parte. Il a dit qu'on ne va pas se poursuivre nos frères qui se sont comportés de cette manière. On les pardonne, ça nous permettra de nous mettre au travail très rapidement. Quel travail? L'objectif était la redémocratisation. Mais cette redémocratisation qui devait être en conformité même avec la définition auquel on se réfère toujours, mais qui dans la pratique n'a rien à voir avec ce qui s'est fait. Donc, le pouvoir du peuple par le peuple, pour le peuple. Or ici, le peuple a toujours été infantilisé parce qu'il est toujours représenté. Le peuple n'a pas la possibilité d'agir lui-même, de s'exprimer, de se prendre en charge. C'est pourquoi vous avez conçu le concept de auto-prise en charge. Et la première auto-prise en charge, c'est quoi? C'est que le peuple soit souverain, qu'il détienne véritablement le pouvoir entre ses mains. Et pour que cela se fasse, il fallait des structures. C'est comme ça qu'il créera les comités du pouvoir populaire, qui devait être présent dans chaque rue, dans chaque quartier, dans chaque commune. Imaginez que ces structures, qui n'étaient pas des associations ni des ONG, mais inscrites dans la Constitution comme structure d'État, c'est-à-dire budgétisées. Vous vous rendez compte que dans votre rue, vous avez une structure qui est budgétisée. Chaque année, vous avez cet argent qui est à votre disponibilité. Et on vous demande maintenant, bon, vous avez l'argent, bon, trouvez maintenant les idées. Vous voyez ce que ça donne? Imaginez que 23 ans après aujourd'hui, vos caisses seraient déjà beaucoup plus garnies qu'à cette époque, parce que quand nous sommes arrivés, nous n'avons rien trouvé dans les caisses. Vous avez commencé à travailler avec 300 millions de dollars, imaginez. Et difficile. Vous voyez? Alors nous avons lancé une monnaie forte. Nous avons mis en place des structures pour garantir l'autosuffisance alimentaire. Voir la sécurité alimentaire. Imaginez un peu que dans les 26 provinces que nous avons aujourd'hui, il y ait des Kanyamaka CC. Vous voyez à la télévision ce qu'ils font déjà. Alors imaginez que dans chaque province, les gens produisent de cette manière. Vous ne pensez pas qu'il y aura un surplus extraordinaire que nous aurons à vendre et injecter dans le circuit ordinaire? Ça va casser tous les prix à tel point que si vous voulez manger matin, midi, soir, vous pouvez manger et en qualité. Oui, est-ce que les noms, votre nom et votre localité, vous êtes... Mais j'étais d'abord représentant des musées en Europe. J'étais le tout dernier avant d'aller à Goma. Puis ensuite, quand je suis arrivé à Goma, le musée m'avait confié l'organisation de l'AFDEL, ce que j'avais fait, avec la formation de cadres politico-militaires. Puis ensuite, quand nous arrivons ici, j'ai été ministre de l'information, presse et de la presse, bien sûr, et porte-parole du gouvernement. Et par la suite, avec la restitution du pouvoir au peuple, à travers les structures dont je vous parle ici, je suis devenu le secrétaire général du comité, donc des comités du pouvoir. C'est moi qui coordonnais les tout. Je vous donne un exemple de mes activités. Par exemple, vous là, vous venez de votre rue, on vous parraine, on dit bon, celui-là, il est digne de confiance. Vous venez chez moi avec un projet. On appelait ça, comment ça s'appelait encore, micro-projet. Vous venez avec votre micro-projet. Il y avait un service au CPP qui était composé de gens quand même très bien outillés, qui provenaient du ministère des Finances, ministère de Plan, Développement Rural, des choses comme ça, qui étudiaient. Si ils étaient en accord avec vous, moi j'ai signé et vous passez à la banque pour recevoir ce que vous avez besoin pour concrétiser ça. Alors imaginez, ça fait déjà 21 ans, 22 ans que ce système avait commencé. Imaginez un peu depuis ce temps-là, combien de micro-projets autorisés et en activité? Combien? Des millions. Ajoutez à ça ce que je viens de vous dire ici. Plusieurs Kanyamaka CC dans toutes les provinces. Vous imaginez un peu la surproduction de la loi sur toute l'étendue de la population. Donc vous voyez que
déjà dans le domaine agricole, on allait même battre le secteur minier en termes de production, de contribution à la caisse de l'État. Ouais. Alors, si on vient ajouter avec ça le secteur minier qui devait être, n'est-ce pas, revu et corrigé, vous savez, avec Musée, il ne blaguait pas pour ce qui est les biens de l'État, à ce moment-là, tout ce qui était produit, n'est-ce pas, devait renflouer les caisses de l'État. Vous ajoutez tout ça, imaginez. Ça allait être... Donc, c'est ça que nous avons raté. Merci beaucoup.